Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs, être à la hauteur de leur réputation, pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Le stade est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferai moi. On est parti pour 90 minutes. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je pense qu'on est beaucoup à adorer Marco Verratti. C'est fou qu'un garçon de sa taille domine autant le milieu de terrain. C'est clairement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui, avec en plus une qualité de relance tout simplement incroyable. Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. C'est joué long, c'est dangereux. Marco Verratti. Allez jusqu'au bout. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé. Excellent repli défensif. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Le ballon dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Oh, quel geste! Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre est clair, il lui dit de vite se calmer. Bakayoko, c'est joué dans l'espace. Il est tout seul dans la surface. Et la tête! Oh, but pour l'AS Monaco! Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça le foot. C'est bien joué ça! Super timing, on le sent à l'aise sur ces ballons aériens. C'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Thiago Silva. Il change d'aile. Kurosawa. Et pour lui, attention. Il accélère et il déborde. C'est envoyé dans l'axe. C'est passé tout près. Avec Verratti, Marco, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et il prend donc un carton jaune.
Golovin. Il cherche la profondeur. Bonne intervention, c'est récupéré. Paredes. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Voilà une bonne occasion de contre. La longue passe. Allez, ça peut faire mal. Le bon dribble. Un centre rasant. Dans l'espace. L'interception, bien joué. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au but. Dans la profondeur, sur le côté. Golovin, c'est joué dans la profondeur. Le centre tendu. Il ne se pose pas de questions. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Marco Verratti. Mbappé. C'est joué long. Oh, l'occasion ! Oh, le but ! Le but ! Égalisation pour le PSG. Ces deux-là se comprennent à la perfection et une deux parfaitement exécutée. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Draxler, c'est joué long. Peut-être une occasion pour Cavani. Il est bien placé. Dommage, c'était une belle frappe, un moment idéal pour marquer juste avant la pause. Un partout, c'est un score qui ménage le suspense pour la seconde période. Les équipes rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Monaco qui donne le coup d'envoi de la deuxième période. Ballot. Balde. Il percute côté gauche. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. C'est le moment de centrer. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Bakayoko, Draxler qui récupère ce ballon. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Il tente de la jouer dans l'espace, dans la profondeur. Il peut tirer. Il se rattrape bien. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle. Peut-être une occasion pour Neymar. La profondeur, bien vu. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Oh, le contre, l'arme fatale. Sur la gauche, c'est Baldé. Le coup de tête. Oh, l'énorme occasion de la tête. Wissam Ben Yedder, il prend sa chance. Oh, ce ballon perdu aurait pu être très cher. Un bon
pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Et c'est donc un changement. Oh, attention! Il continue son action. Neymar. Draxler. Il revient dans l'axe. La frappe, attention! Il rate le cadre. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Baldé qui choisit de jouer en retrait. Eh oui, il n'avait pas de solution là. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Paredes. Neymar. Il décide d'allonger le jeu. Il est passé. Il prend sa chance. Attention le centre. Oh, voici Cavani. Paredes. C'est écarté, bien fait. Neymar. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Meunier. C'est joué long, attention. Mbappé. Il a de l'espace. Il est en bonne position pour son énorme occasion. Bien, la profondeur. Oh, l'intervention magnifique! Ouf, un peu d'air. Ah, c'est dommage. C'est bien ce qu'ils font. Ils font tout pour marquer, mais ce n'est pas assez tranchant dans les 30 derniers mètres. Clic. Long ballon dans le sens du jeu. Allez, il faut aller chercher les résultats. C'est bientôt fini. Faut vraiment se réveiller. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est bien fait. Beignet d'air. Et l'arrêt, magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Dans le centre. Oh, voici Cavani. Glick, sanctionné par l'arbitre. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. On s'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Bon, Darren.